Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, j'ai demandé la parole parce que tout simplement, la partie civile qui est en train de présenter sa version des faits, selon elle, je souhaite qu'elle ne touche pas la vie privée de mon client. C'est très important. La vie privée de mon client n'a rien à faire dans cette affaire. Rien, absolument. Parce que ce n'est pas elle qui gère la famille de mon client. Il s'est compris, maître. Voilà, qu'elle retire le mot, s'il vous plaît. Voilà, madame, vous avez compris. Madame Ibarame. On m'a demandé comment il était. Je l'ai présenté comment il était. Voilà, donc il faut savoir dire les choses. Monsieur le procureur, il était hors de lui-même. Il n'était pas à l'état normal. Nous allons revenir dans l'enceinte du stade. Quels sont les corps que vous avez reconnu sur les lieux? On va au stade qui, au matatégué qui, Galidi et Nubona, et Galidi qui était en train de faire des exactions. Galidi Mundé n'a rien numéré Korumbama, n'a rien numéré Nyaran Katama. Je le procureur, sore bini nunana qui, et bini nunana qui. Tous les militaires. De façon bini nunana, pas les civils et nana qui, n'a rien n'a rien n'a rien n'a rien nous faire abattre. Ils y étaient tous, même des civils. Qui arborait les coris là, c'est eux-mêmes qui faisaient des exactions. Si le petit n'avait pas tiré, m'a pas tiré ici, on me tirait, ça c'était pour me faire entrer dans les salles de basket, ça c'était pour aller me violer. C'est pour cela que ce petit là, je le trouve toujours le repas, même mon moment là. Parce qu'il a fait du bien pour moi. Parce que vraiment j'étais. C'est Dieu seulement maintenant, mais moi je n'avais plus d'espoir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame, je vais vous réitérer aussi les mêmes compassions du parquet par rapport à tout ce que vous avez subi ce jour. Ça m'embarre, nous t'aurons ça. Allô, parquet, bourré, n'aramfala. Il n'y a qu'un quartier, n'aramfala. Merci bien. Je ne vais pas être très long. J'ai juste quelques questions que je vais vous poser concernant particulièrement le colonel Moussa Tchékbourou. Parce que c'est de lui que vous avez parlé ici. Est-ce que vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous avez effectivement rencontré le colonel Moussa Tchékbourou ce jour? Après, mon bilan manasen sem fala tira ka fala wonu Moussa Tchékbourou wona ara lanne na ka fana na ka timu yara utiliser il est venu lidera. Il est venu se placer devant nous devant l'université. Il dit vous ne rentrez pas wona mona somo wa mana ka mona ka ntoma mona to manena. Si vous rentrez, ce que vous allez chercher, vous allez trouver ça mona ka muso manena. Donc on va rentrer. Donc vous avez rencontré le colonel Moussa Tchékbourou avant les massacres et Nana, qui vous a dit de ne pas rentrer dans l'ancien district. C'est bien. Oui, Moussa Tchékbourou tourne. Ana ka fala be woka so be num bata fe khafa. Iyo afana mu muso ma muna ka so. Ana ka muna so muna ka ntumu ya mutana fe. Donc nakana ba muna na kwatanara. Donc il nous a dit qu'on ne rentrait pas. On dit on allait rentrer. Si vous rentrez, tout ce que vous cherchez là-bas, vous allez trouver. Donc ce qui nous est arrivé là-bas, c'est lui. Donc pendant les massacres aussi, le colonel Moussa Tchékbourou était sur les lieux. C'est évident. Massacré, émiré, yaran katama, émiré, son tom à l'air naré, à Moussa Tchékbourou, à Manouna, à Nakoui. Ah non, Maloudara, parce qu'un tamoun, c'est tout, malin, malin, et barbe, mais il tombe, dit, oulina, yatagi. Il pouvait être dedans, mais comme moi, je ne pouvais pas voir, il y avait le sang, mes lunettes étaient facturées, je ne pouvais pas voir. Il y était. Ah, Nounana. Ah, frère, nous n'avons rien, Nana. Il n'a qu'à dire, il était là-bas avec qui? Mais aussi, même après les massacres, le colonel Moussa Tchékbourou était aussi dans l'enceinte du stade. C'est bien ça? Haliji son tue ba khambara, Moussa Tchékbourou, a man nou nana te dengbe kwi.
Il peut rester là-bas parce que c'est le premier que moi j'ai vu là. Lui connaît quels sont les militaires qui étaient. Dites-lui que je suis tout à fait d'accord avec elle. Parce qu'il était présent avant, pendant et après les massacres sur les lieux. Anunana benun kewali rafolo kewali wakati anunana kewali dangi kambivang aman nunana. Si mes lunettes n'étaient pas cassées, j'allais reconnaître d'autres personnes. Mais je ne pouvais pas. Les lunettes étaient cassées, le front brisé, le sang coulait. Je ne pouvais pas. Vous dites tout de suite que dans l'enceinte du stade, vous avez enjambé, on parle de 150 cadavres, mais vous, ce que vous avez vu ce jour, dépasse le nombre de 150. C'est bien. Inara. Itanganira magikui. Inutema furema. Inara e 150 fure blanga fi parve fure keme fure tongo souligne abona be po. Monsieur le procureur. Itribin tomata bin fure sa escalier me bilak buli minima. Gazon la même chose. Naqui mandala tena na bin fure nangi de na fure na tomata na 150 là. De tribune la descente. Partout ça jonçait le sang, les corps étaient là. De l'autre côté, les gazons, non, ça dépasse 150. Dites également que je suis tout à fait d'accord avec elle parce que le nombre de 150 dont on parle, c'est ce qui a été de façon officielle. Parce qu'il y a aussi des disparus. Ah non, dit 150, donc ça peut s'expliquer. Ah non, monsieur Nida. Ça dépasse 150. Moi, je rentre avec Fall. Comme il est là, peut-être il viendra ici, vous allez l'écouter. Mais ça dépasse 150. Mais selon vous, de tous les membres du CND de ce jour, au moment des faits, qui était présent sur les lieux? Et à votre connaissance, hein? Membre du CND de Bring, nous avons un terre. Moi, j'ai vu Kego de mes deux yeux. Je me suis plaint aussi contre le CNDDC et tous. Un enfant ne veut pas gâter si et quelque chose si n'est pas autorisé par son. Celui qui l'a envoyé n'a qu'à dire son nom. C'est très bien. Je suis tout à fait d'accord aussi avec vous. Et selon vous, est-ce que ce jour, y avait-il quelqu'un parmi les militaires, gendarmes ou policiers qui étaient plus gradés que le colonel Tchekboro sur les lieux? Nalawai, gendarme, sore yam, akamirinde nana, nakanga yele nou mate Tchekboro ben Nalawai. Mon a remarqué parce que naka moun se to masono, soge ono, wuli mini femma. Je dis que. Sakiri moun sa yibor yifura nangi ma dibise ma ma mekanise nako ne mekanise ntan na minaka kyo ki men kui. Je ne pouvais pas reconnaître ça parce que le soleil était ardent, j'étais nu-pied. Blessé, le sang coulait. Je ne sais pas comment le mécanicien l'a même extrait de cela. Alors, je vous informe qu'il était le plus gradé. Membre du CNDD, c'est lui qui était là-bas aussi. CNDD Tang, Tananunana. Il était présent sur les lieux avant, pendant et après les massacres. Anunana, Benun Sonte Rafolo. Moi, je l'ai vu. Moi, c'est lui que je l'ai vu. Même à l'aéroport, quand je l'ai dit que j'ai vu avec une autre personne, c'est mon mari qui m'a dit c'est avec tel. Sinon, c'est lui que moi j'ai vu. Donc, madame, vous dites également que dans l'enceinte, ils ont failli vous entraîner dans la salle de basket. Et vous avez entendu des cris des femmes. Mon frère, nous sommes comme à Madina Wambélé. Ça criait comme Madina Wambélé. Waïra. Les cris, les pleurs, les femmes pleuraient. C'est cette malédiction qui fait que la chose se clarifie aujourd'hui. Et selon vous, qu'est-ce qui se passait dans cette salle? Ah. Qu'est-ce qui se passait dans cette salle de basket? Monsieur nous dingue fait mais ni quoi. Antambe me rêve
viole fait parce que cri na na quand le viol nan na ba fait na quoi parce que ça fait même nan fait ma. C'était les cris. Les cris là, c'est synonyme au viol. C'est comme c'est le viol qu'ils ont passé là-bas. Monsieur pourquoi ils ont voulu me faire rentrer moi? Monsieur le procureur, magame barfa, ham magame fagama le nakai. Ham aito amogoni ma. Est-ce qu'ils m'ont violé? Monsieur le procureur, mon mari est décédé. Mais jusqu'à au décès de mon mari, jusqu'à l'approche de son décès, il m'a toujours posé la question. Est-ce que tu n'as pas été violé? Si j'avais dit ce jour-là que j'ai été violé, j'allais perdre le ménage, j'allais divorcer et perdre mes enfants. J'ai dit, ah, tu ne vois pas les slips que je portais, c'est ce que je porte maintenant. Mais pourquoi tu n'as pas les habits? J'étais nu. Pourquoi alors, tu as voulu d'autres tenues? Si le colonel Moussa Tchegbourou, lors de son passage ici, veut nous faire croire que lui, il est venu par hasard au stade. Est-ce que cela peut être vrai, selon vous? Le colonel Tchegbourou a fait un grand bébé. Atanga fa tereng a ha sige nang bansa ilang nara ana no ma finde non dira na ay fe fole biring anna na tir na me rima fa la mere ndan ke boro ta tir teni ver na ma vere ver na uni nda tone je vous dis de ana ma tu denya na fa la ben na tone mo mudga ma fa la ya wat kham fa ma kham fa yiden sa fure beten an limana le début de cette affaire il était là-bas l'arboré des tenues vert avec béret. Je peux, même s'il est là, vous pouvez me confronter. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Parce qu'en fait, s'ils ont gâté, ils ont commis des dégâts, ils n'ont qu'à plaider. Le colonel Moussa Tchegbourou était le coordinateur du dispositif de répression qui était mis en place ce jour contre les manifestants. A l'outil sous la tanangire et tanana tenge bilin nabari naram bilin nabari yaran katera meni. C'était le plus gradé. Atanama yeleman numate bilin membre du CNDD. Ataman CNDD membre nara. Il était là-bas aussi. Ataman nunana. Monsieur le procureur. C'est pas une question, madame. Donc, comme je vous disais, je vais pas être très long parce que mes questions, n'est-ce pas, portaient essentiellement sur l'effectivité qu'on ne peut contester de la présence du colonel Moussa Tchegbourou sur les lieux, en tant que membre du CNDD, plus gradé de toutes les forces de défense et sécurité présentes ce jour sur les lieux, il y était avant, pendant et après les massacres du 28 septembre. Je vais passer la parole à mon collègue, le procureur. Je vous remercie, madame, et du courage. Hein. Bien, merci bien, madame. Le parquet va terminer son questionnaire. Vous étiez à Dakar et 5 victimes étaient venues vous trouver là-bas, n'est-ce pas? Et on à Dakar, mais le souli bête est gagné, n'a c'est l'inanien. Et au moment où on a mis le souli, on était 4 là-bas, 5 autres sont venus nous rejoindre, ça faisait maintenant 9. Des victimes de viol? Névan viol. Et parce que Névan dans les 8 clos. Donc, oui, certains ont passé ici à 8 clos. Fatma Tabari faisait partie de ce. Fatma Tabari Nayama. On était ensemble, oui. D'accord. Et au cours de votre thérapie, est-ce que vous avez bénéficié d'une prise en charge psychologique? Wotosigabeni. Wodemeri sotone akhakhli rakira. Alo khakhli mafuri. Womaline nafanna na demeri. Mubiri nana bane Fatma takerenga munaba mubiri ba mubiri zwole nalo dawi. Nous avons tous fait ça. Parce que nous sommes partis presque à l'état de folle. Tout le monde a fait ça. Ce n'était pas Fatma Tassel. D'accord. Au stade, est-ce que toutes les issues de secours avaient été systématiquement fermées? Au stade, Méni, stade sauf est café université tout le sarana na balang tout le nana na tout la bira mais ali mirimu noma mine parce que poli balang. Vous savez, il y avait des tôles de l'autre côté. Les tôles là, ils avaient mis ça, mais malgré que les tôles là étaient tombées de l'autre côté vers l'université, on ne pouvait pas passer parce que l'université aussi était fermée. Moi, je suis tombé sur une des tôles là-bas même qui m'ont blessé sur le pied. Parce que ces issues avaient été fermées. Donc, il est bien balang. Tout était fermé. Voilà. Est-ce qu'ils avaient également posé des fils électriques sur les murs?
Est-ce que courant l'outil s'en est miré femme? Nato nade nan sa nade na ma mon nom indé to van na mine mon nom indé se fil sarna. C'était sur la porte. Mais là on a un bibi ni van nade red din sembe bi nana mu bi ni sauver stade ko muna kamini. Il y a d'autres qui sont venus tout pousser la porte de par derrière, c'est eux qui nous a sauvés. Nade na kabira mu bi ni na les portes sont tombées, c'est en ce moment que nous sommes sortis. Merci bien monsieur le président. Parquet a terminé. La défense. Thank you.